Salut les myciculteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du rapport carbone-azote du substrat. Cela va vous permettre de mieux comprendre de quoi est composé votre substrat et comment ce rapport carbone-azote influence vos cultures de champignons. C'est parti! Si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à télécharger gratuitement votre e-book pour débuter la culture des champignons. Le lien est disponible en bas dans la description. Alors on va commencer par définir le ratio carbone-azote. Le ratio carbone-azote, ou C sur N pour les puristes du monde agricole, c'est un ratio en fait qui exprime sous forme d'une fraction, par exemple 250 pour 1 pour de la sciure de chêne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? 250, ça représente le nombre de molécules de carbone pour une molécule d'azote donnée dans le substrat. Donc par exemple, dans un substrat avec un C sur N de 50 pour 1, on aura 50 molécules de carbone pour une molécule d'azote. Alors, à quoi sert le ratio C sur N? C'est un paramètre en fait qui est important dans la vitesse de décomposition de la matière organique. Plus une matière organique elle va avoir un C sur N bas, plus elle va contenir d'azote et donc plus elle va se dégrader rapidement. Pourquoi? Eh bien parce que le C sur N manage en fait les organismes qui mènent à la décomposition de la matière. Alors évidemment, ce ne sont pas les seules matières organiques que l'on trouve impliquées dans ce processus de dégradation, mais en fait, c'est les plus nombreuses dans les substrats. Donc on s'en sert en fait comme point de référence. Alors une petite parenthèse jardin. En fait, on utilise également le C sur N en fait pour amender correctement les sols agricoles aussi, et ça va influencer en fait les micro-organismes et surtout la disponibilité en azote de la plante. Parce que l'azote, il sert évidemment à constituer sa partie végétative. Revenons-en à notre C sur N. Donc les bactéries, elles utilisent principalement comme source de nourriture l'azote. Donc elles vont pouvoir se développer facilement, contaminer plus facilement des substrats, donc avec un C sur N plus bas, qui contient donc plus d'azote. Les champignons, eux, ils vont pouvoir se nourrir de matière à base d'azote. Mais contrairement à d'autres micro-organismes, ils vont pouvoir se nourrir de sources carbonées, comme la lignine. Donc le ratio C sur N, il va déterminer quels sont les organismes qui peuvent pousser naturellement sur un substrat ou sur un autre. Ensuite, on va voir l'influence du ratio C sur N sur la culture de nos champignons. Un ratio C sur N fort, il va naturellement donner un avantage aux champignons. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un substrat semi-sélectif. Typiquement, lorsqu'on va utiliser soit de la paille ou simplement de la sciure. Alors un ratio C sur N faible, comme le marc de café par exemple, il va avoir l'avantage de donner un meilleur rendement au substrat de champignons. Mais en contrepartie, il sera aussi plus sensible à la contamination à cause de la plus grande quantité d'azote qu'il contient. Si vous utilisez un substrat avec un haut C sur N, vous pouvez utiliser plusieurs types de pasteurisation thermique, chimique ou même anaérobie. Si vous utilisez un substrat avec un C sur N bas, je vous conseille plutôt d'utiliser une pasteurisation thermique plus longue, voire même une stérilisation en fait pour réduire vraiment au maximum les chances de contamination sur ce type de substrat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les myciculteurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, j'ai écrit un petit e-book pour que vous puissiez débuter sereinement la culture des champignons. Il est disponible gratuitement dans le lien en description. En attendant, moi les myciculteurs, je vous dis à la prochaine.